Eh bien, salut tout le monde, c'est Pola 59 pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve et comme vous pouvez le voir, nous sommes sur du Genshin Impact. Genshin Impact, un peu comme vous voulez. Donc, petite découverte, j'ai joué un petit peu, j'ai vraiment joué un tout petit peu. Donc, clavier QWERTY, voilà. Donc, j'y ai joué un petit peu, je suis level 19 d'aventure pour dire d'avoir le mode coop. Car il n'y a pas encore un vrai multi sur le jeu avec les donjons, le PVP, tout ça, il n'y en a pas encore. Donc pour l'instant, il n'y a qu'un mode coop. Et franchement, vraiment pas mal. Je suis vraiment très surpris du jeu. C'est une sorte de Zelda en fait, mais un peu mieux. Beaucoup mieux même d'ailleurs. Il est même beaucoup mieux que le Zelda de base. Voilà. Hein. On va faire quelques petites quêtes ensemble. D'ailleurs, est-ce que je peux dézoomer? Voilà, je peux mieux dézoomer ici. On va faire quelques petites quêtes ensemble. Donc ensuite, je vais vous faire découvrir un peu ce que j'ai à faire. Donc là, c'est les quêtes, c'est les missions quotidiennes que vous débloquez un petit peu plus tard dans le jeu. Ensuite, obstacle, bah c'est... Voilà, il faut que j'aille carrément au repère du gros méchant, on va dire. Donc le dragon. Et ça, c'est quoi? Ah oui, ça, c'est vrai, je peux pas encore le faire. Et normalement, vous voyez ici, par exemple, la clé. Voilà, là, on peut débloquer une clé. J'en ai une de clé, mais je sais plus où on l'utilise. Donc est-ce que je fais ça tout de suite ou pas? Non, on va faire les petites quotidiennes en attendant. On va suivre les petites quotidiennes. Donc je vais vous faire montrer un petit peu mes personnages que j'utilise. Donc mon personnage principal c'est lui, donc le personnage de glace. Je l'ai éveillé une fois, j'ai même une arme un petit peu voilà comme ça. Que je vais m'empresser de changer contre lui. Lui la sienne elle est en violet, 4 étoiles que j'ai pas encore raffiné, mais voilà quoi. Attendez, 187, 119. Donc non, je préfère encore garder celle-ci pour l'instant. Donc voilà, donc après j'ai lui. Voilà, hein, c'est le personnage principal du jeu que j'ai gardé. Ensuite j'ai une archer que je garde pour l'instant aussi. Lui pareil, je le garde pour l'instant. Après j'ai elle. J'ai elle. Voilà. J'ai... ce petit là, ce petit personnage là que je ne monte pas. Il y a pas mal de persos que je monte pas. Pour l'instant, je reste vraiment avec les quatre premiers qu'il y a juste au-dessus ici. Voilà, les quatre premiers là, qui sont niveau 20 et 30. Pour la simple raison que ça me va comme ça, on va dire pour l'instant. On verra un petit peu plus tard. Donc, la carte. Où se trouve le premier contrat? Mince, le premier contrat est ici. Route bloquée. Ensuite, il y en a un ici, et le dernier, il est où? Alors, le dernier, il est là. Ok, le dernier est là. Donc, on va stepper ici. On va aller faire ces deux-là, et ensuite, on steppera dans le fond pour faire les deux derniers. C'est parti! Si vous souhaitez, je vous mettrai un petit lien en description. Hop. Mais il est chiant, sérieux. Voilà, ça va plus vite, hein. Ok, let's go. Voilà, on va lui parler. Donc je vous mettrai un petit lien si vous souhaitez le télécharger directement par leur site. Parce qu'il faut passer par leur site officiel. À part pour téléphone, je crois que c'est directement sur le Play Store, vous pouvez l'avoir. Et sinon, sur PC, c'est leur site officiel directement. Hop. Voilà. Il est où? Ah, ok, il apparaît seulement. Hop, on utilise les petits trucs pour obtenir de l'XP et 12 000 de Mora. La Mora qui est très très intéressante sur le jeu, mais pas à pas oublier. Hop, on va prendre le nectar léger et la petite fleur. Bon,
On va aller au prochain. Et on peut planer. Ça, c'est vraiment agréable. On peut aller vraiment n'importe où en planant comme ça. Alors, ok, c'est les trucs de glace. Donc, il faudra que je prenne un autre perso. Genre lui. Hop, on va aller sur lui direct. Hop, là c'est juste pour dire de faire plus de dégâts. Voilà. Voilà, mission quotidienne terminée. Je suis glacé. J'étais gelé. Trop drôle. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant ici? Un coffre, un truc comme ça? Je pense pas. Je ne pense pas. S'il y a un coffre là-bas. Donc, sur la map, il y a énormément, mais énormément de coffres. Donc, n'hésitez pas à fouiller toute la zone. Enfin, vraiment tout partout en fait. Parce qu'il y a de la... il y a vraiment des coffres un peu partout. Vous voyez, il y a même des minerais un peu partout qui traînent. Voilà. Il y a des baies. Voilà, parce qu'on peut cuisiner aussi sur le jeu. On peut cuisiner, on peut miner, on peut aussi crafter, aller dans la forge. Il y a pas mal de donjons un peu partout aussi qu'on peut refaire vraiment en boucle pour récolter des ressources qu'on a besoin pour faire plein de choses en fait. Il y a vraiment plein de choses à faire sur le jeu. C'est vraiment plaisant. C'est vraiment très plaisant pour le coup. Aïe, il m'a explosé la gueule lui. Bon, lui c'est chiant parce qu'il a un putain de bouclier que je vais m'empresser de niquer. Voilà, c'est bon. Là, vous voyez, il a plus son bouclier. Bah, maintenant, il est tellement vulnérable à tous mes coups. Et c'est vraiment cool. Voilà. Donc, je sais qu'il y a énormément de gens qui font des vidéos, des lives et tout ça sur le jeu. Donc, j'aimerais live. Hein, mais malheureusement, j'ai pas du tout. j'ai pas encore la fibre en fait. Et ça devient un peu pressant de l'avoir là pour le coup. Parce que je souhaite faire énormément de lives sur pas mal de jeux. Que je ne peux pas faire et faire des let's play, c'est pas trop mon truc. J'ai déjà essayé et au final, j'ai toujours un épisode sur deux qui bug en fait. Et du coup, on peut pas le refaire quoi. Du coup, une fois que c'est fait quoi. Je peux pas le récupérer. Et... ah, bah, là, on va niquer encore un gros. Tais-toi. Aïe. Ah, mais il est chiant. Voilà, il est gelé, c'est le principal. On va prendre ça, faire ça. Voilà, ça c'est fait. On récolte tout en même temps. Bon, désolé, la caméra elle est un peu dégueu. Oh, je me suis fait exploser en même temps. Ah oui, c'est vrai, il y a les barils d'explosifs. J'avais oublié. Il y avait des petits barils d'explosifs. Ah, il y en a encore. Ok, il a récupéré toute sa vie. C'était bizarre. On esquive. Bon, désolé, vous ne voyez un peu rien. C'est parce que ma caméra elle est très rapide pour essayer justement de dash sur les côtés et de taper en même temps. Et sauf qu'en fait ils sont assez rapides aussi les mobs à taper. Donc il m'a raté. Voilà, c'est bon. Waouh, hey, il était dur à tuer lui quand même. Enfin il était long surtout à tuer. Voilà, j'ai tout récupéré. Une corne lourde, donc je sais pas encore où récolter certaines choses. Parce qu'il y a pas mal de choses que j'ai besoin. Il y a pas mal de choses que j'ai besoin. Attends. Ah, on peut pas le détruire ça, merde. Je suis un débile moi. Voilà. Bon, là j'ai terminé. J'ai terminé toutes mes quêtes. Du coup, on va retourner ici. Hop, on se téléporte. Et vous allez voir en gros que les quêtes quotidiennes m'offrent de l'XP, de l'argent et encore pas mal de petites choses. Hop là. Donc, et en même temps, on regardera un peu ce qu'il me faut et où le trouver surtout pour améliorer mon personnage et améliorer les armes. Voilà, hop, on récolte tout ça.
Voilà. Ok, l'éclat d'Azurite. Hop là. Alors, le petit spectre, il est où? Il est là. Il est là, le petit spectre. Hop là. On va le suivre. Voilà, il se met ici, tranquillou. Merci pour le coffre. Donc, quand je vous dis, il y a pas mal de choses à faire sur le jeu. Il y a vraiment pas mal de choses à faire sur le jeu. Alors, du coup, moi, je dois... Il y a un coffre là-bas. Je sais pas si vous le voyez. Mince! Ouh! Bon, bah, tant pis, je suis tombé. De toute façon, c'est en bas. Ouais, voilà, c'est là. Le donjon, il est juste là. Il n'y a rien du tout. Ok, bon. On va aller tuer ça. Ils sont niveau 25. Ah! Attendez, j'avais un truc là que je pourrais ramasser. Tant pis. Voilà, hop. Je peux capturer, je peux prendre le petit coffre. Hop, c'est parti. Ça, on peut casser. De temps en temps, il y a de la nourriture dedans. Voilà. Alors, du coup, s'il est pas là, il est où? Hop. À l'intérieur, du coup. Ok, il y a un truc là. Mais normalement, il est là, quoi. Attendez. Ouais, j'en sais rien en fait. Bah, je ne sais pas, les gens. Je ne sais pas du tout où est-ce qu'il pourrait être. Oula, on voyait le. Oh, il est stylé, lui! Il est trop stylé, les gens. On le teste ou pas? Niveau 23. Waouh, il fait mal, hein? Esquive! Oh putain, j'ai pas eu le temps d'esquiver, les gens. On va prendre lui. Hop. On prend lui. Oh, vache. Oh, la vache. Wouh. Et il est dur, hein. J'ai plus d'énergie, il faut que je bouge. Aïe. J'ai plus d'énergie. Ah, je peux plus esquiver, du coup. Let's go. Ah, esquive! Mais pourquoi il y a des moments je comprends pas pourquoi je peux pas esquiver? Ah, j'ai raté. Ok. Let's go. Let's go, nice. Eh, c'est cool. Ah bah c'était bien cool de taper des un mob comme ça. C'était pas mal. Ok. Bon, j'ai eu de la merde hein, quoi, du coup. Mais le plus intéressant, c'est ce truc-là. Ah, voilà. Ça, c'est un truc de niveau 2, je crois. Qu'on peut faire aussi en don. Donc là, ça va être pas mal. Il est mouillé, donc... intéressant à le taper, du coup. Ah, il est plus mouillé, merde. On va esquiver, on va essayer de l'amener. En fait, il faudrait qu'il aille vers l'eau. Tu me suis ou pas? Est-ce que tu vas me suivre? C'est bon, il est mouillé. Comme ça, il est gelé. Et je peux le frapper tranquillement. Je vois pas sa vie.
Aïe 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 aïe. Oh, fâche. Bon, c'est pas grave parce que celui-là, je m'en fous un peu. Oh lolo lolo. Ok, il est mouillé normalement. Voilà. Let's go. Hop. Raté. Ok. On va confirmer ça. Hop. Let's go. Nice. Alors du coup, il y avait un coffre quelque part, mais je sais pas du tout où est-ce qu'il est. Ah, j'ai enfin récupéré un truc qu'il me fallait. Ah ok, le coffre il est là. Donc je vais devoir tuer lui, en fait. J'ai activé un truc pour rien. Ok, let's go. Hop, 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 hop. Voilà. Et on récupère le coffre. Ouais, c'est vraiment pas mal en fait sur le jeu. On peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Regardez, ici on peut se mettre ici. On peut cuisiner des petits trucs. Là, je vais refaire un peu des œufs au plat. Je vais refaire un peu des œufs au plat. Tranquillou. Voilà. Hop. Et re tout le monde, donc voilà, c'est bon, je suis enfin devant le donjon, donc j'arrive pas à trouver l'étoile qu'il y a là, sur la minimap. Donc vous voyez juste ici, vous voyez là, vous voyez mon doigt, juste ici il y a une étoile et j'arrive pas à la trouver, mais pas du tout. Donc tant pis, on va essayer de voir pour faire le donjon qu'il y a ici, et on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Voilà, tout simplement. Donc là on récolte, voilà, c'est ça que je veux moi, je veux ça. Voilà, tout simplement, je veux ce truc là, je veux pas ces deux machins là, je veux ça. Donc c'est niveau 15 et c'est parti, on explore en solo avec l'équipe que j'ai actuellement sur moi. C'est parti. Donc il faut un type haut et un type... Donc, voilà, je remonte mes petits trucs, les trucs de coude, là, je sais plus comment ça s'appelle. Excusez-moi de bailler. Je suis déjà fatigué. Oh, c'est super beau. Alors, anomalie énergétique. Déjà, c'est hyper beau. Bah allez, let's go, hein. On avance. Je surkiffe ces trucs, je sais pas pourquoi. Ok. Ça pète quand même. Franchement, la clé, elle pète. Démarrer. Hop là, comment faire plus de dégâts possible? Y a combien d'ennemis? Ah, il y a 20 ennemis, ok. Ok, on va bouger, voilà. Let's go. Voilà, bon voilà, c'est facile, hein, mais de base c'est pas si facile que ça, hein, je vous l'assure. Là c'est juste facile parce que c'est des petits trucs, hein, tout simplement. Donc là on récupère ici. Donc il va nous donner nos ressources, enfin qu'on a gagné. Voilà. Plus vous allez monter en level de donjon, plus... Ah bah j'ai carrément tout eu. Ah bah... Bah c'est cool, bon j'en ai eu que un. J'en ai eu que un malheureusement. Hop, quitté. Il m'en faut 3. Donc le truc qu'on va faire c'est que je vais... Oh là, j'ai un problème avec mon truc là. Lui il le fait pas mais lui il le fait. Il est passé là. Ouais, j'enlève ça. Ah ça doit être en dessous. Oh, je sais pas. Voilà. Donc je vais le faire plusieurs fois pour dire de bah, d'avoir tout simplement ce qu'il me faut. Hein. Si je peux vous le refaire montrer, normalement c'est ça. Au niveau de son arme, voilà. Vu que je veux l'élever, il me faut encore 2 comme ça. Vous voyez, là je l'ai eu, ça c'est cool, ça c'est cool, je l'ai eu. Ça j'en ai un et ça il m'en faut encore 2. Donc je vais faire ça.
Et ensuite, eh ben, on se retrouvera pour l'amélioration et pour bah, tout simplement le donner au bon personnage que je souhaite garder, donc lui. Tout simplement. Donc, je vous dis à tout de suite. Et re tout le monde, donc voilà, c'est bon. J'ai fait une petite accélérée du coup des deux donjons que j'ai effectués pour avoir la possibilité d'avoir les trois trucs qui me donnent directement. Et d'ailleurs, ils m'en ont donné un petit peu plus que prévu, donc c'est cool. La première fois, j'ai juste pas eu de chance en fait, j'ai l'impression, parce que là, j'en ai eu deux. J'ai eu deux les boulets que j'avais besoin, donc tant mieux, tant mieux, tant mieux, moi je dis. Donc on va le faire tout de suite, ici, ici même, on va le faire. Et nous allons bah, tout simplement faire ce que j'avais dit, c'est-à-dire cette arme-là, on va la renforcer pour la première fois. Voilà, vous voyez, j'en ai un de plus, on va l'élever. Nice, let's go. Voilà. Et du coup, bah, ce personnage-là, bah, il va juste récupérer... Enfin, ce perso enfin, cette épée-là va aller sur l'autre personnage. Donc on peut aussi la raffiner encore une fois, donc il faut exactement la même épée pour raffiner. Donc là je vais juste la renforcer avec ceci. Je vais juste la renforcer avec ceci. Donc c'est cool d'avoir le bouton double clic, j'ai juste à rester appuyé et puis bah, ça double clic quoi. Donc on va la mettre level 30 pour voir un peu ce que ça donne. Donc 185 c'est cool, bonus de dégâts. 16%. Donc voilà. Donc bah allez, on va la remplacer avec lui. Hop, remplacer. Vous voyez, elle fait 187, elle est level 40. Celle-ci, elle fait 185, alors qu'elle est elle est que level 30. Donc c'est cool. On la remplace et on va la renforcer encore. Je vais la mettre level max. Je vais la mettre level max pour être tranquille. Pouf, level 40, let's go, elle fait 226 de dégâts. Ah, c'est agréable, hein. C'est très agréable du coup. Et elle, pour la renforcer, il me faut, voyez, 8 trucs comme ça et 2 trucs bleus comme ça. C'est très très dur, hein, à avoir. Donc là, j'ai même celle-ci et j'ai celle-ci en plus. On s'en fout un peu. Et elle, est-ce qu'elle est renforcée? Ouais, il me faut 2 cornes. C'est pas des cornes, pardon, c'est des dents de lait. Mais je sais pas où les avoir, les dents de lait, en fait. Bon, bah, j'ai hâte de tester cette petite épée, hein, dis donc. On va la tester direct. Let's go. Ouais, c'est vraiment chiant, ce truc. Je pensais que lui il allait faire quelque chose en plus, mais apparemment non. Aïe.
On va voir. Non, ça fait rien. Ça fait rien en plus. Bon, on va s'occuper de lui. Je vois rien. Je vois rien, les gens. Ouais, ça change pas grand chose en fait. Et merde. Bon, on va se TP. Vous savez quoi? On va faire celui-là vite fait pour voir combien je vais en gagner. Et puis, masse. Je me suis trompé. Et puis, on verra bien. On verra bien combien on va en gagner. Si on en gagne pas mal, ça serait cool. Donc, allez, on va tester ça vite fait. Donc, voilà, éléments recommandés. Glace, feu, électrique, c'est ce que j'ai. Glace, feu, électrique. Ouais. J'ai le vent en plus, mais ça, c'est du surplus, on va dire. Bon, on va tester ça, voir ce que ça nous donne dans celui-là. Voir ce que ça nous donne dans ce donjon-là, voir si on a assez. Il m'en fallait deux hein, pour améliorer l'arc. Ah, c'est cool en vrai ça. Oh là 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 là. C'est stylé. Il me reste 20 secondes. Voilà. Let's go. Défi terminé. On se dirige vers là-bas direct. Je cherche pas à comprendre. Et on récolte nos petites ressources en espérant qu'il m'en donne deux. Ce serait vraiment cool. Et il m'en donne une. Ah, fait chier. Il m'en a donné qu'une. Ah non, j'en ai eu deux. Nice. Ah, c'est cool. J'en ai eu deux directs. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Du coup, on va pouvoir faire l'arc, du coup. C'est vraiment pas mal. On va pouvoir améliorer l'arc. Eh, salut, toi. En plus, il pleut. T'as pas de chance, quand même. Mais t'as vraiment pas de chance, il pleut. Et vous aussi, vous avez pas de chance, vous allez geler. Hey, nice. Hop, 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 hop. De la viande, là. On va aller rejoindre nos amis, là-bas, ils sont trempés aussi, regardez-les. Oh, les pauvres petits, ils sont tellement trempés. Succès, c'est cool. Un petit masque, voilà. Et on a un truc juste au-dessus. Je sais pas si vous le voyez. En plus, ils vont être trempés, donc ça va être cool. C'est con d'être mouillé. Hein. Voilà. Et je peux ouvrir la fleur. Qui va apparaître ici. Hop, on en ouvre 20. Nice, c'est cool. Voilà. Donc les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si c'est pas déjà le cas. Et on se dit à très vite pour une autre aventure sur ce jeu, je pense. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Hein, je continuerai à farmer le jeu jusqu'à temps que on fasse le petit boss dragon tout simplement. Hey. Ça je peux le casser comme ça normalement. Non, je peux pas le casser comme ça. C'est chier. Oh, je dois switch encore. Tant pis. Donc voilà. Ah oui, c'est vrai. Attendez. Hey. On va quand même hop, détail. Détail, non, c'était pas toi, c'est toi. Hop. Arme. Renforcer l'arme. Et j'ai ce qu'il faut. Nice. Bon, je le fais pour rien, je le sais, mais c'est juste en attendant, j'ai juste envie, voilà, d'améliorer leurs armes. Voilà, c'est tout.
Voilà. Au moins, je fais un petit peu plus de dégâts, on va dire. Hop, je vais me TP, moi. Je vais me TP ici, tranquillou. Et je vous dis tout simplement à la prochaine, allez. Ciao bye tout le monde.